J'ai choisi la solution prête à finir pour une raison au niveau de mon budget. Et puis c'est surtout que, étant donné que j'aime bien faire les pièces à ma façon et surtout de faire tout comme je veux, eh bien, la solution c'était de faire le gros œuvre par des professionnels et puis pour des raisons déjà d'assurance. Et puis de faire les pièces à ma façon, telles que je souhaitais qu'elles soient, avec le décor que je voulais et tout ça, quoi. Alors les travaux se sont déroulés de la manière suivante. Bon, l'entreprise est arrivée à la date prévue. Ils sont passés par le toit, donc aucune gêne au point de vue du rez-de-chaussée. Ils ont réalisé en l'espace d'environ une dizaine de jours tous les travaux. Et puis ça m'a permis pendant ce temps-là donc de travailler normalement à mon travail. Et à la suite des 10 jours, eh ben, le comble était entièrement fini. Ils m'ont fait une ouverture par laquelle je suis passé pour après finir mon comble moi-même. C'est-à-dire installer le placo, faire l'isolation, l'électricité, les peintures, la décoration, tout ce qui devait s'en suivre. Et puis, comme il y avait Velux qui s'était déjà installé, je n'avais pas besoin d'électricité pendant le cours où je n'avais pas l'installation, puisque ça demandait environ 7 à 8 mois avant de tout finir. Et puis comme ça, c'était merveilleux, tout le monde était bien, quoi.